Clairement. Hein. Là, vous pouvez y aller, là, vous restez milieu de piste, progressivement, et au fur et à mesure que vous ramenez le volant droit, vous pouvez accélérer. Là, vous pouvez rester en troisième, venez bien chercher le point de corde et l'autre. Donc, vous projetez bien votre regard à chaque fois pour aller les chercher. Là, bien là, le côté droit. Vous restez bien à droite. Vous continuez à accélérer toujours. Oui. Pas de problème. Ça tient. Donc, restez à droite encore. Restez encore à droite. Voilà, et là c'est bon, allez-y. Voilà, donc là, venez bien chercher. Donc là c'est bon, il n'y a plus de voiture. Venez bien chercher, vous passez bien par la porte. Vous allez vers le cône, vous allez remettre la troisième, après vous allez chercher le point de braquage, vous visualisez au loin le point de corde et le point de sortie. Là vous allez rester à droite. Rester à droite. Ouais. Non c'est bon, allez-y. Là, progressivement, vous mettez du gaz et au fur et à mesure que vous ramenez le volant, vous pouvez y aller. Là, on va se remettre en troisième. Votre regard et vous accélérez, allez-y. Là, ça craint rien, même si c'est un peu humide, la voiture elle tient. Allez-y encore un peu. Tant que ça reste progressif, il se passera rien. Voilà. Visualisez bien le cône en face. Alors, si jamais vous sentez une petite dérive, oui. Vous lâchez pas l'accélérateur, vous soulagez. D'accord. Ça, c'est le plus important. Donc là, vous pouvez y aller, allez-y. Allez-y encore. Là, vous êtes à force à. Allez, j'ai à 80, on peut passer encore jusqu'à 90. Et bien chercher le point de corps. Et là, vous accélérez. Allez-y, on y va. Encore. Là, on freine. On freine un peu plus fort. Voilà. On va chercher l'intérieur. Visualise bien le cône. On se remettra en troisième. On ralentit bien ici. Alors, après là je vois que vous l'avez, le pied gauche sur le cale-pied, ça c'est bien, comme ça ça vous évite d'être projeté en avant au moment du freinage et ça permet que le bassin soit bien calé au fond du siège. D'accord, oui. Donc tout ce que la voiture va vous transmettre comme information, vous allez le ressentir. Ok. Voilà, et là on y va. Encore, on freine fort. Voilà, faut pas hésiter à freiner fort. La troisième. Et on remet un tout petit peu de gaz. Ouais, de plus en plus, voilà. On freine bien. Tant que ça reste du progressif et du doux, il se passera rien. Ouais, d'accord. Mais c'est le temps d'avoir confiance dans la voiture, ça c'est normal, ça prend du temps. Et la pluie, elle arrange rien non plus. Ouais, c'est ça. On accélère un peu, on réaccélère. On monte un peu fort en puissance. On remettra la 3.
on ralentit bien ici, on va bien le point de corde et on va aller rechercher la muscu. Donc on reste en 3. Allez, ils ont réaccéléré. De toute façon, si on est assez proche, il nous mettra les warnings. Donc là on passe à droite, on freine déjà fort, on reste à droite. Voilà, impeccable. Et on monte en puissance. On freine fort. Voilà. Alors, on freine pas, donc là on voit que avec le SP s'est mis en route. D'accord. Donc on freine toujours en ligne droite, d'accord. On freine pas avec les roues braquées. Voilà. On projette déjà au loin et on accélère. On va bien chercher la droite. Donc on reste fluide, pareil au niveau du volant. Ouais. On n'est pas agressif. On va regarder déjà au loin. Progressivement, on monte en puissance, on accélère. On accélère progressivement et plus en plus. Voilà. On freine, on reste en quatrième, on jette son regard au loin. On va se remettre en troisième. On appuie sur la droite, voilà. Et là, on va chercher le point de corde. On freine, on reste en troisième. Et ici, on déstabilise un peu l'auto. Voilà. On réaccélère. Et on freine. Troisième. On freine, volant bien droit. Et on tourne. Voilà. Comme ouais. Ça c'est que il faut rouler vite mais pas trop. Alors, ouais, c'est assez paradoxal parce que voilà, il faut garder les pneus en température, donc il faut avoir du rythme mais pas trop, donc il faut avoir le bon dosage. C'est ça vraiment le plus dur sur une piste mouillée. Parce que si on roule doucement, les pneus chauffent pas, ils vont refroidir et si on attaque un peu trop, là c'est la gamelle. Ouais. Donc c'est vraiment c'est ça le plus dur quoi. Après, vous allez rester à droite. Oui. Donc là, vous restez vraiment bien à droite. Bougez pas votre trajectoire, vous prenez tout large. Voilà. Là, c'est bon, vous pouvez prendre votre trajectoire. Là, c'est la voiture au baptême. Vous allez rester à droite, vous allez rentrer au stand. Bon, ça a été. Ouais, c'est impeccable. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, vous allez changer de voiture. Vous allez avoir la Gallardo. C'est ça, oui. Donc là, il y a plus de puissance. D'accord. Donc ça sera pareil. Il faudra essayer de bien doser. Et après, ça sera au niveau des palettes. Ça sera peut-être plus simple. Il n'y aura pas de. J'ai besoin de lâcher le volant. D'accord. Mais là. Voilà, exactement au même endroit.